Good morgen, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le lunishmat à Mamien Amen, Hana Peggy Batester, Zabat Mazal Tov, Shishportish, Simon Bat Laouni, Michel Novikov, aussi la fois Tourout, Bat Claudine Traina, Betor, et Simcha Bat Masovi, Betor, Shaar, Cholé Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, et nous étudions Shvot, Perigvav, Mishnah Bet. Manele Beyadecha, va Amarlo, Bifne, Edim, Hen. Le Machar, Amarlo, Taneuli. נתתיב לך פטור, אינך בידי חייב. מנה לבידך ואמר לו, הן, אל תתנהו לי, אלא בעדים. למחר אמר לו, תנהו לי, נתתיב לך חייב, מפני שצריך לתנולו בעדים. La Mishnah, on fait une petite pause, on va plus tellement parler de la joie d'Aïdout, de la joie d'Ayanim pour le moment. On parle juste de quelqu'un qui réclame. מנה לבידך, tu me dois un mané. Un mané, c'est l'équivalent de 100 zouz. 100 dinars kesef. Amarlo bifne edim hen. Et en présence de deux témoins, il lui a reconnu et lui a dit hen. Hen, ça veut dire oui. Oui, c'est pas ein avec un alef et un yud, mais c'est un hen. Oui. Le machar amarlo taneuli. Le lendemain, il lui a réclamé, il a dit bon, puisque tu m'as réclamé hier que tu as reconnu hier que tu me devais de l'argent. Alors, taneuli, maintenant, paye, donnez-moi, rendez-moi. Ten li, tanehu li, ten otam li. Netativ lecha patur. S'il rétorque, il dit, mais ça y est, je te les ai déjà rendus, on s'est rencontrés hier soir, et je te les ai rendus. Patur, il est dispensé de jurer. Par contre, il n'est pas dispensé de jurer ou de payer. Enecha beyadi, chayav. S'il lui dit, enecha beyadi, je te dois rien du tout, alors il sera chayav. On remet la scène un petit peu plus claire. Donc, on parle de quelqu'un que j'ai réclamé, je lui dis, tu me dois 100 shekels, tu ne les as pas rendus. Il lui dit, oui, tu as raison, je vais te les rendre. Le lendemain, je lui réclame et il me dit, je te les ai déjà rendus, il sera dispensé de payer ou de jurer, ni rien du tout. Il y aura en réalité une joie T7, on en reparlera après, mais pour le moment, dans la Mishnah lui dit, il n'est pas tour complètement, il ne devra ni payer, ni rien du tout. Parce qu'il a le droit de dire qu'il a déjà remboursé, et puis finalement, il n'y a pas ici de modé bémitsatatana. Par contre, si jamais je lui dis, allez, maintenant rends-moi l'argent, et lui il dit, mais je t'ai jamais emprunté de l'argent, alors moi maintenant je vais pouvoir amener les témoins qui l'ont entendu reconnaître qu'il me devait des 100 shekels, et ils vont me dire, comment toi tu oses témoigner que tu as jamais emprunté? Tu as reconnu devant nous que tu lui as emprunté 100 shekels, donc ils lui imposeront de jurer, étant donné que Hurzak Kafran, il a été maintenant grillé, réputé comme un menteur au Beit Din, de ce fait, je suis tout simplement cru contre lui, puisque c'est quelqu'un qui ment et qui esquive. Dès qu'on l'a attrapé en train de mentir, ben c'est fini, il n'a plus de crédibilité. Donc maintenant, je suis moi-même cru à lui sur ce que je dis, qui me doit mon argent. D'accord ? Détail important, c'est l'histoire de la Shvuat Heset, justement. C'est ce qu'on a évoqué hier, qu'après l'époque de la Mishnah, c'est un peu vaste quand même, à l'époque des Amoraïm essentiellement, on va dire comme ça, à l'époque des Amoraïm essentiellement, Chachamim ont instauré que malgré tout, pour toute réclamation, tu es obligé de jurer. Dès que je réclamais que tu me dois 1000 shekels parce que je te les avais empruntés, même si toi tu nies complètement les faits, tu devras malgré tout jurer la Shvuat Heset. En l'occurrence, lorsque la Mishnah nous dit que s'il dit qu'il me les a déjà remboursés et qu'il sera dispensé, il sera dispensé de la Shvuat de la Mishnah. Mais par contre, il y aura quand même un devoir de jurer la Shvuat Heset, comme ce qu'on introduisait hier, qui devra jurer sans prendre le Sefer Torah dans les mains. On ne va pas, au pire, s'il refuse de jurer, on ne va pas partir aller faire une saisine, c'est bien. On va juste le stimuler un petit peu à reconnaître. D'accord ? Autre détail supra-important, c'est que lorsqu'il reconnaît devant des témoins, on parle qu'il reconnaît devant des témoins en les prévenant, en les désignant comme témoins. Soit, quelqu'un vient, me réclame à moi 1000 shekels, et moi je lui dis, ah t'as raison, je t'avais emprunté 1000 shekels, j'ai oublié complètement, moi je te les rendrai demain. D'accord ? Et finalement, le lendemain, il me les réclame, au Beit Din par exemple, et moi je l'ai complètement, il va amener les personnes qui ont entendu, que j'ai reconnu, et ben malgré tout, je ne devrais pas payer. Pourquoi ? Parce que je ne les ai pas désignés, au moment où j'ai reconnu, je ne les ai pas désignés comme témoins. Or, quelqu'un qui vient et qui me dit que je lui dois de l'argent, alors moi, vous savez bien, moi je suis très chacham, les fous, je vais dans leur sens. Et je me dis, ouais, t'as raison, je te les rendrai, tu sais quoi, je te rendrai 10 fois plus. C'est une manière de parler, de jeter les gens, comme ça, je sais pas, qu'est-ce que je vais me prendre la tête maintenant à rentrer en prise de tête avec quelqu'un qui me réclame de l'argent alors que je lui dois rien. Donc, l'allure, l'habitude, elle est de m'échater à Itibo. Aïti, c'est auto-choté. M'échater à Itibo. Je me suis moqué de lui, j'avais pas l'énergie de répondre.
Ou bien même, je voulais que les gens, au lieu que les gens, ils ont vu que j'avais l'air riche, et ils sont venus à dire, ah, on va essayer de voir ce qu'il ne peut pas nous prêter un petit peu d'argent. Alors moi, j'ai commencé à vouloir me faire passer comme un pauvre type, et quelqu'un qui m'a réclamé 1 million de dollars, je lui dis, oui, tu as raison, oh là là, je suis désolé, je te rends. D'accord, mais ça ne veut pas dire que je lui dois en réalité. Par contre, si lorsqu'il vient, il me réclame, et je leur dis, Atem Edaï, ou bien lui-même lui dit, soyez témoin que maintenant je veux reconnaître, alors là, je ne peux plus prétendre me moquer de lui, parce que là, je suis en train d'être très sérieux. Je sais très bien que dès qu'on va désigner des témoins, ça va se retourner contre moi. De ce fait, si je reconnu de cette manière, alors là, c'est sur ce que la Mishnah nous enseigne que la Hoda'a, le fait d'avoir reconnu devant des témoins, fait que ça m'engage. D'accord ? On a fini la première partie de la Mishnah, la deuxième partie de la Mishnah. Amar lo hein, et mané le biadecha. Maintenant, nouveau cas. Il lui réclame qu'il lui doit un mané. Amar lo hein, il leur dit, oui, tu as raison, je te les dois. Et sur place, donc, comme précédemment, en désignant des témoins, en leur disant Atem Edaï. Et ensuite, il m'a rajouté Al titenehu li ella be'edim. Je te demande, s'il te plaît, afin qu'il n'y ait pas d'entourloupe entre nous, que tu ne me les rendes que devant des témoins. Et après, oh, on a conclu l'histoire. Une semaine après, les machar, le lendemain, le surlendemain, Amarlo tanehu li. Il lui réclame et lui dit allez, vas-y, rendez-moi maintenant les 100 shekels que tu devais rendre devant les témoins. Si je lui dis Netativ lecha, Chayav, je te les ai déjà rendus, il n'y avait pas de témoin, mais j'ai quand même voulu, puisque j'avais tellement compris que c'était important pour toi de recevoir l'argent, que j'étais venu te les rendre en pleine nuit, et donc il n'y avait pas de témoin. Et bien la Mishnah m'a dit, c'est trop tard, je suis maintenant Chayav de payer. Pour quelle raison ? Étant donné que lorsque tu m'as réclamé l'argent, et qu'on a désigné les témoins, toi tu m'as imposé que je serais obligé de te rembourser que devant des témoins, alors dans ce cas-là, je ne suis plus cru de dire que j'ai pas payé devant des témoins. Étant donné que maintenant je sais que ça peut être très engageant et que je peux me foutre dedans, littéralement me rentrer dans une galère terrible si jamais je commence à ne pas assurer mes arrières, de ce fait, toute une personne normale va veiller à apporter des témoins. Si toi tu affirmes maintenant que tu as payé, tu as remboursé sans avoir à amener des témoins, eh ben t'es pas cru. D'accord ? On a fini la Mishnah, on fait le Vartan Roman, il y a de Kha, Vamar Lohen. Je te réclame donc le mané qui est à moi, qui est dans tes mains, et l'autre il lui répond oui, bifne edim, devant des témoins. Vekegon shamar atem edai. Bien sûr, on parle du cas où il a désigné les témoins en leur disant atem edai. Pour quelle raison? Deshuv eno yachol lit'on meshate haiti becha. Parce que, dans un cas pareil, puisqu'on a dit atem edai, on a désigné les témoins, il ne pourra plus esquiver ensuite et démentir ce qu'il a fait, ce qu'il a reconnu, en disant meshate haiti becha, que je me moquais de toi. Mais la chante chôter, je te faisais chôter. Ouais, j'ai marché dans le bon sens. Pato mijwa de oraita, aval majbin oto heiset. On parle du cas où je lui dis que je te les ai déjà remboursé ce matin, que je suis cru, et que la Mishnah enseigne que je suis dispensé de payer, c'est vrai, mais après, avec la takana plus ultérieure qu'il y a eu, que Chazal de la Mishnah de la Gemara ont instauré de jurer la joie de heiset, alors de nouveau, je devrais la joie de heiset. Midera banan. Ou c'est pour me stimuler à jurer, ou je ne prends pas le Sefer Torah dans les mains, et on ne va pas me venir faire une saisine de mes biens si je ne veux pas jurer. Enecha Beyadi, maintenant, si je lui dis, après qu'il m'a dit, on se rapporte sur quoi? Enecha Beyadi, lo ayu dvarim me'olam. Quand je lui dis, mais non, je ne te dois rien, hein, ça veut dire, on interprète que je lui dis, lo ayu dvarim me'olam, la Adam, on a l'habitude de le dire, la Adam, lo ayu dvarim me'olam. Je nie complètement à la source tout le fait que je te devais de l'argent. Chayav l'échalem, il sera alors imposé de rembourser. Pourquoi ? Venon Eman Mishvoa, il ne pourra même plus jurer. Chare Urzak Kavran, étant donné que ce monsieur maintenant, il a été réputé pour être quelqu'un qui n'a pas peur de mentir et de voler. De ce fait, Vehu Shekafar Bebedin, instruction très importante, je ne sais plus si je l'ai dit à l'oral tout à l'heure, que l'on parle que du cas, bien sûr, où tu as. Quand tu es venu nier, c'était au Bet Din. Par contre, s'il nie à l'extérieur du Bet Din, soit après que lundi, j'ai reconnu devant des témoins que je te devais de l'argent. Mercredi, tu me réclames devant d'autres témoins, tu me dis, allez, maintenant, rends-moi l'argent, et puis moi je te dis, Loi Yodori Moalam, j'ai jamais reconnu que je te devais de l'argent. Et il y avait effectivement, il y avait des témoins, et bien là, je ne serais pas passible par mes paroles, étant donné que il faut d'avka être Urzak Kafran Bebet Din. Il faut d'avka que tu me réclames au Bet Din, et que au Bet Din, je vais commencer à nier. Alors là, on va dire que j'ai nié. Mais tant qu'on est en dehors du Bet Din, je préfère nier pour éviter de me rentrer dans des problèmes qui vont se retourner contre moi. Donc je n'ai pas voulu te reconnaître une deuxième fois. D'accord ? Aval Shalom Bebet Din, l'Urzak Kafran, à l'extérieur du Bet Din, il n'a pas été réputé comme un menteur et un voleur, mais comme quelqu'un qui ne voulait pas exposer sa vie privée à l'extérieur du Bet Din.
Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha comme tout cela.